Coco, bonjour. Si vous buvez l'eau de ceci, vous ne souffrirez plus jamais de beaucoup de maux. Il s'agit de quoi les amours? Il s'agit du gingembre. Il s'agit du gingembre. Le gingembre a tellement de vertus qu'on ne saurait l'expliquer. Le gingembre, les amours, on peut l'utiliser pour plusieurs maux. Le gingembre, c'est bien fait, il permet de soulager les ballonnements. Si vous souffrez par exemple des ballonnements, buvez du thé de gingembre ou mâchez un petit morceau de gingembre cru. Oui, afin de réduire vos flatulences, l'inconfort, vous retrouvez votre santé. Les 10 causes les plus fréquentes du gingembre. Le gingembre, il est épicé et permet de couper la toux, les maux de tête. Quand vous avez par exemple du gingembre, vous découpez comme ceci, vous mettez dans de l'eau et vous le buvez au bout de 24 heures. Plusieurs études montrent que le gingembre, dès que vous le prenez, quelques heures de temps après, vos migraines disparaissent. Le gingembre, c'est une hormone qu'on peut utiliser quand on a des problèmes inflammatoires. Vous mettez le gingembre comme ceci dans une tasse d'eau que vous buvez. Vous pouvez le boire 2 à 3 fois la semaine en fonction de votre disponibilité. Il ne pourra vous faire que du bien. Oui, le gingembre, quand vous le buvez, pour ceux qui souffrent des problèmes d'arthrose et de rhumatoïdes, le gingembre en poudre ou pris comme ceci, mélangé au du miel, leur permet de retrouver la santé. Oui, le gingembre permet de prévenir également le cancer. Le gingembre a des propriétés anticancérigènes. Le gingembre permet également d'éliminer les cellules cancéreuses dans votre organisme. Oui, les amours. Le gingembre, il faut éviter de le prendre lorsque vous êtes enceinte en excès, parce qu'il nuirait contre la santé du fœtus. Oui, si vous avez tendance à vous amuser avec le gingembre, il faut savoir qu'il permet de soulager également les nausées. Lorsque vous êtes enceinte, vous pouvez boire beaucoup de gingembre. Le gingembre soulage le mal d'estomac. Oui, les amours, likez pas.